Dans cette série, nous apprendrons tout sur les sièges auto et la sécurité des enfants en voiture. Avant d'avoir des enfants, je pensais que je pouvais acheter n'importe quel siège auto du marché. En fait, il y a une différence dans la sécurité procurée par les sièges auto. Tous les sièges du marché européen doivent avoir été testés ou approuvés selon l'une des normes suivantes, la R44 ou la norme R129. Mais il existe aussi des tests plus sévères qui garantissent une sécurité extrêmement élevée pour l'enfant en cas de collision. Le Plus Test suédois fait partie de ces tests. Lors de ce test, le siège auto est lancé à une vitesse plus élevée, avec une distance de freinage plus courte qui entraîne un choc beaucoup plus violent. Surtout, il y a des capteurs au niveau du cou qui mesurent les forces qui vont sur la nuque de l'enfant. Tout cela permet de s'assurer que le siège auto répond aux exigences les plus élevées en matière de sécurité en cas de collision. Cela met en évidence que les performances de sécurité peuvent différer d'un siège à l'autre, même si tous sont approuvés pour la vente. Pour la sécurité de Philippe et de ses frères et sœurs, nous choisirons toujours un siège auto qui a réussi le Plus Test.